Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce cadre super agréable, comme vous pouvez le voir, je vais vous faire un petit tour de piste. Ce matin, j'ai fait mon petit rituel du matin. J'ai décidé de le faire un petit peu plus tard pour vous faire profiter du soleil, du beau temps et du cadre dans lequel j'évolue avec vous. Alors, je vous montre un petit peu où est-ce que moi j'évolue et le matin, ce qui me sert un petit peu de méditation. Donc voilà, vous voyez autour de vous. Et moi, je suis parti des maisons qui sont là-bas, donc pour arriver sur l'îlot là. La petite île en face en stand-up paddle. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je suis seul ici à venir ici. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose, une question qu'on m'a posée hier, la différence que je faisais entre coaching et thérapie. C'est une question, c'est vrai que ça me semblait évident et en fait, je me rends compte que beaucoup de gens ne font pas la différence entre ce que ça peut être un coaching et une thérapie. Alors moi, la grosse différence que je peux faire déjà entre le coaching et la thérapie, déjà pour moi, le coaching, c'est ce qui va vous permettre d'aller au-delà de vos limites, de vous dépasser, d'atteindre un objectif, vraiment d'accomplir quelque chose, de booster vos performances, que ce soit physique, en sport, comme là, je peux le faire en ce moment avec John. Ou mental, c'est-à-dire lever tous vos blocages qui vous permettent de pouvoir vraiment aller au-delà de ce que vous pensez être vos propres limites. Dans les exemples que je peux avoir, ça va être par exemple des gens qui viennent me voir, qui ne comprennent pas, qui disent « écoute, moi je viens vous voir parce que je gagne un bon salaire, mais j'arrive pas à économiser de l'argent. Ou alors je ne comprends pas dans mon travail, pourtant je me donne à fond, etc. mais j'arrive pas à avoir de promotion. » Ou malgré toutes les relations que j'ai, j'arrive pas à avoir de relations qui me conviennent. Et là, le coach, c'est là où le coach va vous aider dans ces exemples-là à vous dépasser et à aller au-delà de ce que vous vous êtes fixé. Parce que souvent, c'est des croyances, des blocages qu'on a et autres. Ça, c'est vraiment la partie coaching où on va se dépasser, aller au-delà de ses limites. Alors que la thérapie, pour moi, c'est vraiment un cadre bien, bien spécifique où on va aider en fait la personne à trouver des solutions à certaines situations, c'est-à-dire que j'ai certaines phobies, je veux traiter le deuil, j'ai des allergies, on va traiter les allergies, ce genre de choses. Et là, pour moi, c'est vraiment thérapeutique, c'est du one shot, en une fois. En une fois, ça peut être une ou plusieurs séances, mais ça va être, on va traiter une chose spécifique. Alors que le coaching, c'est vraiment un accompagnement pratiquement du quotidien. On va vraiment définir des choses à mettre en place, des actions à mettre pour pouvoir atteindre son objectif. Voilà, maintenant je pense que voilà, si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser en commentaire en dessous, là, soit dans les commentaires sur le site, vous avez une partie commentaires, vous pouvez poser vos questions et j'essaierai d'y répondre au mieux que je peux pour vous apporter le maximum de compréhension. Boost up la life et profitez-en, on avance ensemble.